Et il commence à pleuvoir, parfait. Juste quand je vais bosser, bam, de la pluie. C'est parfait. Quel bol! Oh là 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 là, je suis trop chanceux! Bon, j'avoue que j'avais vu que à 15h il allait pleuvoir. Mais il est 2h27, bordel! Les météorologistes là, vous comprenez pas? 2h27, c'est pas 3h? Ah là 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 là! Il y a des gens qui comptent sur vous, bordel! Alors, j'avais l'idée de commencer une petite section dans ma chaîne pour mettre un peu, pour vous mettre un peu dedans aussi. C'est-à-dire que ce sera des tout petits courts-métrages, des toutes petites vidéos avec une question. Une question que je me pose ou que j'ai entendu d'autres gens se poser et que en fait ça m'intrigue. Ça peut être un peu tout. Et puis j'attendrai vos réponses sur la chaîne. Et voilà en fait. Et donc ma toute première question, ça c'est elle vient de moi, est la suivante. Pour ceux qui ont acheté leur toute première moto, donc vous avez acheté votre toute première moto, nouvelle, toute première nouvelle moto, je précise. Est-ce que par la suite, vous avez regretté quelque chose? Pas regretté de l'acheter, mais est-ce que vous avez regretté, vous avez dit, j'aurais peut-être dû mettre cette option-ci, j'aurais peut-être dû prendre la version carénée, voilà, des petits détails comme ça, pas forcément me dire, oh ouais, non, en fait, j'aurais pas dû acheter celle-ci, j'aurais dû acheter celle-là. Non, dire plutôt, est-ce que sur votre achat de votre première nouvelle moto, est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez, honnêtement? Moi, par exemple, sur celle-ci, la R6, je regrette quoi? Au début, pour être honnête avec vous, dès que j'ai eu, j'étais faire un peu d'autoroute, je me suis dit, oh, merde, j'aurais dû prendre la version carénée. Il y a trop de vent, après 100 km/h, je me prends des rafales sur la tête. Ben en fait, non, c'est au début, les 200 premiers kilomètres, on est là, on doute. Mais en fait, non. Maintenant que je l'ai depuis un certain temps, que je roule avec, pas de problème, non, j'ai vraiment... rien que j'aurais fait différemment, j'aurais pas pris une autre, j'aurais pas pris la version carénée. La seule chose que j'aurais peut-être fait, mais c'est des tout petits détails, c'est que j'aurais vraiment pris la version avec la couleur rouge kawa là, au lieu de la version vert kawa. Mais je l'aime comme elle est, c'est ma moto, c'est bon, vous comprendrez, hein, c'est votre petit bijou, votre moto. Ben moi pareil, je changerai rien. Confort, nickel, je ne mettrai pas aucune option de confort. La selle, rien. J'aurais pas mis non plus les sacs, non. J'ai hésité aussi au début sur mettre l'indicateur de vitesse, non. Je n'en ai pas besoin en fait. C'est de l'argent gaspillé pour rien, 200 et quelques euros pour ça. Quoi d'autre comme option il y a, je sais plus. Le pot à cra, non. 1000 et quelques euros, non. Non. Quoi d'autre? Les diabolos. Ça, par contre, les diabolos, j'aurais dû mettre de début, mais bon, je les ai mis par la suite au même prix. Donc, aucun problème. Et voilà. Pour l'instant, je regrette pas de ne pas avoir mis que ce soit comme une protection ou quoi. Peut-être que je regretterai un jour, mais je le mettrai quand j'aurai un peu plus d'argent. Mais donc voilà, en général, moi je suis assez content de ne pas avoir pris plus d'options. Je suis bien avec ce que j'ai là. Et voilà quoi. Voilà, bon à vous, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous auriez pris quelque chose différemment par rapport à votre achat de votre toute nouvelle moto. Première ou par la suite en fait? J'ai dit première moto, mais ça peut être les suivantes si j'en ai acheté une par la suite. C'est vrai que souvent les gens achètent une moto d'occasion au début.
comme moi, hein, j'ai acheté une moto d'occasion, la toute première c'était une 250 d'occasion. Et par la suite j'ai acheté celle-ci. Voilà. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez, j'aurai d'autres petites questions, ça me permettra de faire des petits vlogs aussi. Puisque bon, des fois le temps d'aller au boulot, j'ai pas trop le temps de faire quoi que ce soit d'autre que des petits vlogs. Et donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette petite idée de petits vlogs comme ça. J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous y participerez, c'est le but, faire participer un peu les personnes qui regardent la vidéo. Allez les gens, je vous laisse passer une excellente journée sous le ciel bleu de Bruxelles. Et à tous. Ciao ciao les gars. Oh il drache. Allez mec. Qu'est-ce que tu fais? Tu passes ou tu passes pas? Allez là, il drache à mort là mec. Oh putain! Oh putain de merde! Je suis en jeans, merde! Il faisait pas un temps comme ça! Oh la merde, j'ai froid! Oh putain! Doucement mec, tu m'asperges avec ta caisse!